Glitch City, 2070 après Jésus-Christ et des brouettes. Une cité qui ne devrait pas exister. Un paradis fiscal où les corporations et les empires criminels règnent en maître. Dans cet endroit, toutes les formes de vie ont été infectées avec des nanomachines pour les garder sous contrôle. Avec les chevaliers blancs qui s'assurent que les lois corrompues du gouvernement sont appliquées à la lettre. Ici, la brutalité sous toutes ses formes est une réalité journalière. La qualité de vie pour les impuissants, les pauvres et les faibles baisse de jour en jour. Pour beaucoup, c'est beaucoup trop de pression. Du coup, ils se perdent dans leur travail, leurs amis ou leurs hobbies. Parfois, ils tentent de fuir la ville, mais pour la plupart d'entre eux, la réponse se trouve au fond d'un verre. Sur une petite route, juste à côté d'une grande avenue, à côté des taudis, vous pouvez trouver le hall A nommé VA114ALA. Mais c'est chiant à dire, alors on l'appelle Valhalla. Une petite oasis au milieu d'un désert de béton, une fontaine où les esprits peuvent venir abreuver leur âme perdue. Et c'est ici que notre histoire se passe. Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue dans Cyberpunk Bartender Action Valhalla! Ouh là là, le futur, chers amis, pour être plus exact, le futur qu'on nous met en plein dans la bouche sans aucune forme de pitié. On est là, c'est pas la suite spirituelle de Red String Club, c'est un autre jeu, chers amis, mais c'est le même principe. Des gens viennent, on leur met des bouteilles dans la bouche et ils nous parlent de leur vie en long, en large et en travers, avec bien sûr une histoire, du drama, tout ce qu'il faut et un style rétro qui va très très bien. Et surtout des musiques absolument folles qui vont à 100% me démonétiser de YouTube, j'en suis sûr. Vive les jeux vidéo! Cliquons et allons-y, plongeons-nous dans VA11. H-A-1-1, enfin c'est, attends, VA-1-1, All A, ah oui c'est ça, donc c'est le VA, VA-11, All A, d'accord, VA-11, All A, qui s'appelle le Valhalla. Allons-y, du coup, settings, alors dans les settings, c'est cool, je peux mettre les scanlines, ce qui est joli, mais même si moi j'aime beaucoup parce que je suis un boomer, si tu veux, je trouve que ça baisse la luminosité du truc, et pour votre lisibilité, c'est mieux de le laisser comme ça. Donc c'est pour ça. Pas de sauvegarde, je suis clean les enfants. Merde, bah non, mais du coup, Sukeban, X-Brig Game. Voilà. Donc Cyberpunk Bartender Action Valhalla. Voilà, c'est dit. Allons-y, new game. Merci pour jouer Valhalla. Ce jeu est... Il est mieux de jouer à ce jeu en étant confortable. Prenez un verre, de quoi manger et profitez-en. Accessoirement, il faut savoir qu'il y a une traduction française qui est en cours et qui est presque terminée, mais qui va prendre encore quelques semaines, voire quelques mois ou quoi que ce soit. Et puis c'est plus fun de vous faire la traduction en temps réel, je trouve. Voilà. Ne serait-ce que pour me la péter. Quoique Red Strings Club, il était en français, si je me souviens. Bon, c'est pas très grave. Ok, très bien. Psst! Hey, toi là-bas! Bouh! C'est quoi? C'est bien une entrée comme ça ou bien? Allez, Joe, réveille-toi! Le jeu commence et le joueur a besoin d'une bonne. Le jeu a besoin de se faire une bonne impression de son personnage principal. Je sais que t'as servi pas mal de connards en costard-cravate durant le week-end et que le bar va éventuellement fermer. Mais je dois admettre que la petite blague que je t'ai faite était peut-être de trop aussi, mais... Mais souviens-toi, la vie c'est 90% de ce que tu en fais. Alors concentre-toi et regarde le bon côté des choses. Même si j'ai aucune idée d'où se trouve le bon côté des choses. Enfin, tu devrais le trouver. Dans tous les cas, il faut que tu vérifies ce paquet que je t'ai donné. A plus!
C'était un robot? Jill. Juste un rêve. Y'a quelque chose à côté de la porte. Capitulo 1. La Primera. Je sais pas pourquoi Primera. On dirait de l'espagnol, c'est pour ça que j'ai craqué. Votre abonnement à Shining Finger sera automatiquement renouvelé le 17. Soyez sûr d'avoir au moins 800$. 800$ Shining Finger? Qu'est-ce que c'est? Alors, beaucoup de gens m'ont conseillé ce jeu. Ils étaient là, si t'as aimé Red Street Street Club, tu vas adorer celui-là. Est-ce qu'il y a du prompt dedans? Parce que j'ai pas vérifié. Mireille, miséricorde, allons-y. Très bien. Ok, je peux rien faire. De qui est cette lettre? Cette lettre, elle était de qui? De personne. Ok, donc apparemment, je suis Jill. Très bien. Et j'ai une patron. Bonjour, Jill. Ok. Viens voir. Augmented Eye. L'émigration massive continue alors que les Wonderlanders sont la nouvelle menace. Cyborg en talons hauts revient l'année prochaine. Fais voir ça. Le populaire show Cyborg en talons hauts revient au Dôme ce mars. Des tickets sont en vente en janvier. Un massif show à propos d'un cyborg qui se bat contre le terrorisme avec des talons hauts. Putain, ça déconne zéro. Ça déconne zéro. D'accord, donc ça c'est les news en fait. Ok, très bien. Grosse immigration continue alors que Quincy révèle des nouveaux ajustements économiques. L'inflation, le plus haut dans le monde. Plus de bouffe, le crime de partout. C'est Gotham City, sauf que c'est Glitch City. Quincy s'en bat les couilles. Ah, d'accord. Quincy, ça l'énerve parce qu'en fait les gens se cassent parce que sa ville c'est un taudis. Mais il est là. Ils apprennent dans nos écoles et nos universités. Et après, ils appliquent ce qu'ils ont appris ailleurs. Et je trouve ça très insultant. Bah ouais, mais. Ah, c'est la politique Macron. Tous les cerveaux s'enfuient. Tous les cerveaux fuient la France. Bah ouais, connard. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il fait marrer. Wonderlanders, des nouvelles menaces à la sécurité. Attention. Badabada. Si vous pensiez que Alice Rabbit était la meilleure pour craquer les systèmes de sécurité, les plus compliqué du monde, ce groupe va vous surprendre. Ils ont pas encore fait un impact aussi gros que Alice Rabbit, ah d'accord, le lapin d'Alice en fait, mais il semblerait qu'ils cherchent à viser très haut avec les menaces contre le premier ministre Quincy. Ah d'accord, ils ont tous ces emails et Ah d'accord, très bien. Bon bah c'est des news, c'est les news, c'est bien, tu me diras. On peut changer les musiques, fais voir. Oh là là. Oh là là! Oh là là, mais il y en a plein! D'accord, ok, très bien. Save and backup, save and load. Ok, save, load, ok, très bien. C'est self-explanatory. Tout va bien, on va s'en sortir. Settings. Ok, c'est les mêmes. Exit, c'est on se casse, j'imagine, ça c'est l'heure. Et elle glandouille sur sa tablette. C'est marrant, elle a encore un écran cathodique alors qu'on est en 2077. Mais enfin, c'est peut-être rétro. C'est peut-être rétro. Allons-y. Bonsoir. C'est un homme, on est d'accord. Quelle voix je vais lui faire à lui? Est-ce que je lui fais la voix de Icy Snake? J'aime beaucoup cette voix. Ah, salut Jill. Ah, salut John. Quand est-ce que tu vas admettre que t'as une tronche à t'appeler John, Jill? Quand tu laisseras les gens t'appeler Jules. Ta gueule. Ça va? T'as l'air distraite. Où est la patronne? Je sais pas, elle est allée acheter des trucs à l'extérieur et est-ce que t'as écouté ce que je t'ai dit? T'as dit quelque chose? Ouais, et t'as l'air vraiment distraite, genre très, très distraite. Bah c'est rien, je réfléchis juste à des trucs. Quel genre de trucs? Eh ben, il faut que je paye le loyer d'ici le 30 et c'est toujours stressant et... Ah. Et puis il y a aussi le fait que j'ai passé une heure entière hier à me parler à moi toute seule... Et puis, sans mentionner le fait qu'il y a deux jours, j'ai découvert que le bar risquait de se fermer, alors... Et puis, non seulement ma vie part en sucette, mais en plus, je deviens complètement folle, et puis, en plus... C'est qui, Nuttering Four? Je ne sais pas ce qu'est Nuttering Four, mais en tous les cas, mon portefeuille est complètement vide, et j'ai plus une tulle, et je vais me faire virer si jamais je rate mon loyer, et puis apparemment, il y a toutes les canettes de bière qui me traînent dans mon appartement, et... Jill! Désolé, tu disais quelque chose? Est-ce que tu peux vraiment travailler aujourd'hui?
C'est quand ton chien doit mourir. Ah putain, Force est le chat. Ah non, d'accord, c'est le chat. Ok, ok. Notorique Fort. Ah oui, elle a castré son chat. Force est son chat et elle a castré son chat qui s'appelle Fort. Ok, très bien. Donc elle a payé la castration de son chat, bien sûr. Bien sûr que je peux. Ok, on va revoir les bases dans ce cas-là. Juste au cas où, hein. Si tu peux me faire un pianoman, je passerai le reste. Mais supporte-moi un instant, ok? Très bien, on va commencer avec un Sugar Rush. Quoi, Sugar Rush, ce vieux jeu vidéo d'arcade qui est une relique et que personne n'a jamais trouvé parce qu'on pense que c'est tiré d'un dessin animé de l'époque mais qu'en fait c'était réel? Cherche la recette en utilisant la barre de navigation dans le bouquin de recettes tout en haut à gauche. Tu peux aussi faire en sorte que les verres soient en ordre selon le fait qu'ils soient masculins, virils ou sucrés. Prends les ingrédients et mets-le dans le shaker, ok. Jill, quand tu l'as fait, merde, presse le bouton mix, ok, très bien. Appuie sur le bouton serve et ce sera tout. Oh, et puis si les verres ont l'air baisés, n'hésite pas à les jeter et à recommencer. Tu peux appuyer autant que tu veux, quand tu le veux, aucun souci, très bien. Jill, c'est moi qui ai eu la formation de barmaid, ok. Dans ce cas-là, ça ne devrait poser aucun problème. Ok, Jill veut soit un Sugar Rush ou un pianoman. Si je foire, je peux recommencer à nouveau. Ok, d'accord. Bike type, girling drink, manly drink. Ok, très bien. Où est-ce qu'on trouve les pianoman? Promo drinks, pianoman. Alors, je vais vérifier. Je vais vérifier d'abord un peu. Je vais pas traduire le nom des boissons, hein, sinon on y sera encore demain. Ah, il y a un piano woman aussi. D'accord, pianoman. Un pianoman, c'est 2 Adelaide, 3 extraits de Bronson, 5 poudres de Delta, 5 flanergides et 3 carmotrines. On the rocks, donc avec de la glace, et mixé. Très bien. Cette boisson ne représente pas les opinions de l'association des pianistes de bar ou ses associés. Très bien. Sour, ça veut dire quoi? C'est amer? Non, c'est bitter, amer. Sour, ça veut dire quand c'est pas sucré. Non, c'est l'inverse. Aucune idée. Bon, je peux pas. C'est en promo et c'est fort. Ok, très bien, allons-y. Acide. D'accord, c'est acide. Sour, c'est acide. Merci beaucoup. Acide, promo et fort. Allons-y. Deux aldéhydes. Coming right up. Ok, c'est bien. Ça montre ce que t'as mis dedans. Ça m'arrange, hein. Ok, 5 flanergides. Putain, j'ai aucune idée de ce que je mets là. Et 3 carmotrines. De la glace et on mixe. Shake, shake, shake. Pain, pain, pain. Shake, shake, shake. Bon, ça devrait aller là. Fail. J'ai raté quelque chose. Recommençons. De la glace. Attends, quoique, reset. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, voilà, là on est bien, de la glace et on mixe. Peut-être pas le faire aussi longtemps. Hop, c'est bon, ça marche, d'accord. Donc il y a trop, il y a deux types de secouage en fait. Il y a le secouage léger, donc c'est mixed, et il y a un secouage fort, je sais pas comment il l'appelle, donc ça doit être strongly mixed ou une grenade comme ça. Allons-y, pianoman, serve. Et voilà, t'es content? Ouais, beaucoup. Tu m'as corrigé. Bon, mettons-nous au travail. Oh, et avant que j'oublie. Tu peux faire en sorte que n'importe quel verre soit gros en doublant le montant des ingrédients. Mais si la recette a déjà plus de 10 ingrédients, la boisson sera déjà grosse. Oh, et si une recette te dit que tu peux utiliser de la carmotrine optionnelle, ça veut dire que tu peux en mettre soit rien du tout, soit à fond. La carmotrine optionnelle ne compte pas pour faire une grosse boisson, bien sûr. La carmotrine, c'est le facteur alcoolique, c'est le facteur d'alcool d'un verre. Ah, d'accord, c'est le nombre de degrés en fait. Ça ne change rien au goût, mais ça fait quand même un gros effet. Si t'en mets trop, le client sera bourré très vite, alors s'il te plaît, fais gaffe. C'est bon, t'as fini? Ouais, maintenant oui. Et les gars, je sais pas qui c'est. Ah, patron. Eh? Si, c'est qui ça derrière? Je sais pas. D'accord. Alors, elle, clairement, elle a l'air d'en avoir rien à foutre. Donc, je vais faire une voile. Je sais pas. Je l'ai trouvé pendant que je faisais du shopping. Pourquoi l'amener ici? Eh ben, c'était soit je la laissais dehors à la merci des meilleurs éléments de la société, de la chance pour Glitch City, soit je traînais son corps inconscient ici. Elle va faire un sacré bordel quand elle va se réveiller, vous le savez, ça.
Ah, ça c'est vos emmerdes à gérer. Moi, je serai dans mon bureau. Mais vous pouvez pas juste nous donner cette responsabilité. On a du boulot à faire. Hey, démerdez-vous, vous êtes deux. Croyez en vous, ayez foi, tout ça. Tu penses que c'est la patronne qui l'a assommé? Non, improbable. Elle serait en train de se la péter ou de dire qu'elle l'a fait si c'était le cas. Et puis, ça lui ressemble pas de provoquer et d'attaquer une si petite femme. Du moins, pas sans provocation. Ouais, tu marques un point. Bon, il va juste falloir qu'on reste discret. Elle a l'air de dormir pacifique. Elle a l'air de dormir tranquillement et elle est pas dans le coma. Ok. Bon bah, commençons la soirée. Ouais, moi je vais commencer à travailler pendant que toi tu vas nettoyer les chiottes. Pardon. Pendant que toi t'as passé tout le week-end et le lundi à faire je ne sais quoi, moi j'ai eu pas mal de clients qui sont venus, hein. Des chiens. Beaucoup de chiens. Tu déconnes. Jill, tu me connais depuis combien de temps? On se connaît depuis combien de temps? Est-ce que j'ai l'air d'être le genre de femme qui ferait une blague à la con comme ça? Eh bien... Alors, en punition pour m'avoir abandonné pour gérer tous les clients par moi toute seule pendant tout le week-end, c'est toi qui nettoies les chiottes. Amuse-toi bien. Juste ça? Ok, je vois pas le problème. Où est le matos de nettoyage? Juste là. Tu l'as apporté, t'as apporté ça de ta maison, n'est-ce pas? Oui, c'est mon matos de nettoyage. Très bien. Bon, avec ça qui est réglé, on va mettre de la musique sur le jukebox. Ce modèle a besoin d'avoir tous les 12 musiques remplies par des musiques avant que ça commence. Je me demande quelle était la logique derrière cette décision. C'est quoi? Oh, c'est stylé! On va mettre ça. Non, attends, c'est trop dark ça. Vous savez quoi? Gardons la surprise. René, on va mettre René. Tiens, deux fois René pour la peine. Allons-y. Le pif. Ah, c'est l'heure de faire des boissons et de changer des vies. Hé, toi! Donne-moi une bière! Ah, bien sûr, tout de suite. Il veut une bière. Il a l'air d'être plutôt gros cependant. Ah, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je fasse une grosse bière? Comment on fait une bière? 1, 3, 4, 6, 6, 8. Ah, c'est pas une grosse boisson, donc je peux en faire une grosse boisson. Allons-y. Donc, 2 Aleides, on va voir si ça marche. 4 Bronson Extract. 2 Power Delta. 4 Flannering. Et 8 Karmatron. Mixé. Hop. Ha ha. Big beer. 200 balles que ça vaut, c'est cool. Il va falloir que j'étudie les boissons par contre, hein, sinon je vais me faire avoir plus tard. Si je sais pas, si à chaque fois c'est une énigme comme ça. Et voilà. Ah, c'est bon ça. Pas mal du tout. Beau boulot. Merci, j'imagine. T'as de la chance, hein. J'avais un rendez-vous pas très loin. Ah, ce trois rats pourrait bien utiliser une présence telle que la mienne. Enfin, pour être honnête, le travail m'a emmené dans des trois rats pires que celui-ci. Genre le New Jersey 3. Et quel genre de travail vous faites, monsieur? Ah, vous parlez à Donovan D. Dawson, l'éditeur en chef et le propriétaire de l'œil augmenté. Rien n'est publié ici, enfin rien n'est publié là-bas sans ma bénédiction. Ah, et ben, putain, on commence fort la journée. Apparemment, c'est le chef, c'est le propriétaire du Times. Enfin, c'est l'éditeur en chef du Times. Ok, ça, c'est Jonah Jameson, exactement. Alors, c'est à vous qu'on doit le barrage d'articles sur Alice Rabbit, n'est-ce pas? Hey, les gens adorent ces articles. Ils adorent lire à propos de cette légende urbaine. Est-ce que tu peux leur en vouloir? L'idée qu'une espèce de hackeuse bizarre qui travaille pour ses propres objectifs et personne d'autre? Je veux dire, c'est le genre de truc à la con qui amène les clics, et de tout le monde. Et les clics, c'est du pognon. Et le pognon, c'est des pu... Des choses comme des bagnoles, des maisons, de la chirurgie plastique pour la femme et les gosses. Eh ben, je me plains pas du fait que vous écriviez à propos du hacker, mais juste que vous écrivez à propos du hacker tous les jours. Je veux dire, c'est même pas des news, la plupart du temps, c'est des spéculations ou des copycats. Enfin, des imitateurs.
Il y a un terme en français pour ça, mais j'ai oublié. C'est pour ça. C'est des imitateurs. Je peux pas lire votre torchon de journal tous les jours sans tomber sur au moins un article à propos d'Alice Rabbit. Eh ben, tout d'abord, c'est pas moi qui écris, hein, c'est mes stagiaires. Ces bandes d'enculés pensent que ça permettra qu'ils obtiennent un travail à temps plein. Moi, je capitalise juste sur ce topic, enfin, sur ce sujet tant que c'est populaire. Et de deux, si vous êtes fatigué d'un article sur un présupposé hacker, vous n'êtes pas fatigué de toutes les histoires journalières des meurtres et des horreurs diverses, n'est-ce pas? Eh ben, personnellement, j'évite toujours cette section. J'ai pas envie de commencer ma journée en étant amer et effrayé. J'ai assez de pression sur le dos comme ça. J'ai pas besoin de rajouter tous les problèmes de Glitch City sur mon cul. Vous êtes plus maligne que vous en avez l'air, gamine. S'il y avait plus de gens comme vous, cependant, je ferais banqueroute du manque de trafic. Enfin, peut-être que mon boulot serait plus simple. Comment ça? Les gens se désensibilisent, Les gens se font chier et s'ennuient et ne réagissent plus à ce genre de nouvelles après l'avoir vu de manière répétitive. Quand j'ai commencé ce boulot, ça prenait juste les nouvelles d'une vieille femme qui se faisait frapper dans la bouche et bam, plein de clics. Maintenant, il faut qu'une vieille femme transporte un bébé malade qui se fasse renverser par un camion. La mort suffit plus, ils ont besoin d'une histoire, à pleurer debout derrière. C'est pour ça que j'aime bien ces légendes urbaines. C'est plus facile d'écrire sur le sujet et puis tu peux inventer n'importe quoi, ils adorent. Bam, tu les spams tant qu'elles sont chaudes. Et même les gens comme toi, les gens qui esquivent les histoires d'horreur, ils vont les lire. Et ça fait du pognon. Et comme je le dis, moi j'aime le pognon. Hein? Eh ben vous savez quoi, si je puis me permettre, il marque un point. Mon père appelle ça la rubrique des chats écrasés. Et personnellement, j'ai découvert que pour mener une vie heureuse et sans stress, qui permet à l'amélioration de soi, et donc, par extrapolation, à l'amélioration de son environnement immédiat, il faut éviter ce genre de bad feels. Ça veut pas dire qu'il faut ignorer que ça existe, c'est juste qu'il faut pas volontairement s'y plonger. Ça me paraît être une bonne leçon. Enfin bon, il marque un point. Et les colonnes avec les opinions, c'est pas une bonne source de trafic ça non plus? Oh, je déteste ces connards! Ils écrivent comme s'ils savaient mieux que n'importe qui d'autre! Pouah! Ils pourraient aussi écrire que quelqu'un qui aime autre chose que ce qu'ils aiment pourrait se faire enculer quelque part! Le pire, c'est qu'ils savent que la moitié de nos clics viennent d'eux, alors du coup, ils agissent comme des divas, ils font chier! Vous êtes peut-être un peu trop dur, et à propos... Non, attendez, je réfléchissais, je pensais à un autre journal. Ouais, non, les colonistes sur votre journal, ils sont chiants, je suis d'accord. Vous voyez ? Le gamin, là, qui est un critique culinaire... j'ai oublié son nom, à ce nabo. Un critique culinaire ? Je crois que c'est... Ah, ce gamin, je m'en bats les couilles. Dans tous les cas, sa colonne, c'est la moins visitée de tout le tas. C'est lui qui a le moins de clics, moins que la page mortuaire. Cependant, il insiste que je continue à payer pour tous ses restos et toutes ses petites aventures dans des endroits extravagants. J'aurais pas de problème avec ça si jamais il écrivait la moitié de ce qu'il visitait. Comment ça? Il écrit rarement à propos des endroits où on l'envoie. J'ai même entendu dire qu'il essayait d'obtenir des repas gratuits en proclamant qu'il était critique culinaire. Ha, cet enfoiré, j'espère que les gens se foutent de sa gueule quand il essaye ça. Je me souviens d'un gars qui est venu ici en demandant des verres gratos, en disant qu'il était une critique ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il avait l'air d'être un gros gosse avec un visage de rat? Non. Ah, c'était pas celui-là alors. Bon, dans tous les cas, ça m'a donné soif. Allez, une bière, ta manière. Et plus vite que ça. Tout de suite. Le client est roi, il m'a demandé une bière. Putain, le mec il aime ses bières. Est-ce qu'on sauce? Ouais, allez, on sauce. Allez. Putain, j'ai failli le faire de tête. Sauf que j'ai eu un doute en fait. Voilà. Big beer! Oh! Et voilà! Ah! C'est des petits trucs comme ça qui font en sorte que la vie vole la peine d'être vécue. Et les gros trucs? Quoi? Quoi, tu m'as mal entendu?
Non, mais rien du tout, tout va bien. Alors dis-moi, est-ce que tu vois pas mal de célébrités dans ce trou à rats? S'il vous plaît, arrêtez d'appeler cet endroit un trou à rats, s'il vous plaît. Si un endroit sent comme le savon et la pisse de chien, je pense que c'est dans mes droits constitutionnels d'appeler ça un trou à rats. Je fais ce que je fais de mon mieux ici. Merci beaucoup. C'est qui ça? Personne d'important. Hé, hey, j'ai entendu ça. Bah, sois pas offensé par ce que je dis, gamin. J'insulte le bâtiment, pas toi. Bah, tu peux penser que c'est un petit... Comment on pourrait appeler ça Ah voilà. Si tu préfères, je peux appeler ça un boui-boui plutôt qu'un trou à rats, hein. Charmant. Alors, les célébrités. Pas vraiment. Enfin, pas que je connaisse. Pourquoi? Eh ben, pour commencer, vous avez un gros VIP en tant que client, là, mais je vous vois pas en faire tout un fromage. Et puis, vous me faites même pas sentir spécial. C'est dommage, ma chérie. Et de deux, je suis toujours prêt à entendre des rap... Des rapotins. Excusez-moi, des ragots et des potins. On est en 2077, la langue a évolué. Je suis toujours prêt à écouter des rapotins à propos de célébrités. Surtout, les célébrités genre tapis rouge, festival de anal et tout. Vous voulez dire le festival de Cannes et de Canal? Ouais, celui-là, ouais. Ces gens prétendent... Ces personnes que les gens prétendent aimer, mais qu'ils attendent en fait impatiemment qu'ils tombent des nues et s'écrasent sur le sol comme une merde. Prétendre aimer? S'écraser comme une merde? Ouais, pourquoi tu crois que tous les potins comme ça, ça vend toujours à fond? Les gens font semblant d'aimer les célébrités, mais ce qu'ils veulent, c'est les voir échouer, s'écraser, traîner et lécher le sol à leur niveau. Ils veulent les voir souffrir pour qu'ils puissent payer d'avoir enfin eu l'audace d'avoir été plus... d'avoir eu plus de succès qu'eux. Si jamais je vous ai fait sentir l'un d'entre vous comme ça, si jamais vous en avez voulu au Lennon, parce que vous avez l'impression qu'il a tout, si tu veux, une femme, une vie heureuse, épanouie, de l'argent, du succès, du goodwill, un sourire, du bonheur. Tout d'abord, je tiens à dire que... Je m'excuse pas une seule seconde! Vous avez entièrement raison! Très bien. Bon, regardez-moi mourir d'un cancer à 35 ans et là vous pourrez rigoler, tout ira bien. Allons-y. Non, je pense que les potins, c'est juste quelque chose que les gens apprécient. Je vais remettre de la musique. Je pense que c'est juste quelque chose que les gens apprécient, mais personne veut admettre qu'ils les apprécient à donf. Tu penses... Tu penses mal, mais même si t'avais raison, ça changerait pas le fait que les gens adorent ce genre de truc. Ils veulent échapper à leur vie en vivant la vie de quelqu'un d'autre. Malheureusement, je ne vois pas très bien l'attrait dans ce genre de choses. Qu'est-ce que je m'en fous si un mec que j'ai vu dans un film au pif portait des chaussettes avec des sandales ou qu'il sortait avec je ne sais qui? Enfin, bien sûr, des chaussettes avec des sandales, c'est de l'indécence publique, hein, légalement, mais quand même. Oh, s'il te plaît, en tant que barmaid, je suis sûr que t'as une grosse tendance voyeuriste. Le genre de femme que t'es adore toujours écouter ce genre de truc. T'as, c'est comme les coiffeuses. Ça a l'air hypocrite de ta part, hein. Même si c'est le cas, je sensationnise pas ce que les gens font. Personnellement, j'en fais pas plus un fromage que « Oh, oh, cette personne qui était dans ce film ou dans cette série télé agit comme un être humain. » Sensationnaliste, c'est ça le mot-clé aujourd'hui, hein. Voilà. C'est ça le mot-clé. Quand quelqu'un s'énerve contre quelqu'un d'autre et qui pète les plombs parce que ce quelqu'un d'autre est chiant, sous prétexte que vous croyez pendant 8 ans que cette personne n'était pas humaine et vous continuez à en faire des mèmes jusqu'à le faire sentir mal en faisant des « Ta gueule !»« Oui, mais c'est pas toi qui décide !» Vous vous rendez compte que vous aussi, quelque part, vous êtes des sacs à merde. Et c'est très bien, parce que ça nous rend tous humains. Ok. Tiens, l'autre jour, j'ai vu ce juge d'un espèce de comité qui faisait chier, qui emmerdait une pauvre jeune fille à propos de ce qu'elle portait au magasin. Quoi que vous en disiez, ces gens n'existent pas que pour divertir le public. Ah, mais le problème existe parce que ce sont eux qui constamment cultivent l'idée qu'ils sont parfaits et intouchables. Ils vont dans des endroits exotiques, ils s'habillent de manière élégante, ils, euh,
Ils profitent de tous les luxes que la vie peut leur trouver. Je veux dire, ça laisse juste les gens morts de faim à l'idée qu'ils puissent faire une erreur, tomber et glisser dans de la merde. Je peux pas dire que c'est un mensonge, mais parfois, le public veut juste voir que quelqu'un est humain. Hey, ce mec qui fait semblant... Ce mec qui joue le gentil dans ce film, en fait, c'est vraiment un gentil. Pour être honnête, c'est les articles de Rago n'aident pas. Vous êtes en train de tout sensationnaliser. Ça a l'air... on dirait que vous êtes en train d'enquêter sur un comportement alors que c'est une enquête qui n'a pas lieu d'être. Ah, t'aimes bien tes grands mots, hein, gamine? Ouais, eh ben on peut jouer à deux. Oui. Hey, t'es une barmaid, n'est-ce pas? Non, non, je suis un rat de laboratoire qui tente de conquérir le monde. Haha, Minus et tout ça. Non, arrête de te foutre de ma gueule, gamine. Ça fait perdre mon temps, mon pognon et ton énergie. Oublie. Dans tous les cas, j'ai réalisé qu'une barmaid comme toi a dû entendre pas mal d'histoires durant sa carrière. Eh ben, il change de sujet. Peut-être, pourquoi? Tu voudrais pas une colonne pour en parler un petit peu dans mon journal? Tu vendrais vachement bien. Ce serait comme ce prêtre qui a publié les histoires de confessionnal et puis qui s'est fait excommunier et lyncher. Les gens me disent la plupart du temps, les gens me disent ce genre de truc parce qu'ils savent que je suis juste une barmaid. Genre, une étrangère personnelle, quelque part. Ah, tu pourrais écrire en utilisant un nègre. Genre, la moitié de notre staff fait ça. Ou un nom de plume. Ah bon, ils font ça? Ouais, tu penses pas que l'Anna Smithy, c'est juste une seule personne, n'est-ce pas? Ah, j'imagine. Bon, bah, dans tous les cas. Bon, quoi qu'il en soit, les gens de l'histoire le sauraient et m'en voudraient. Je veux pas... J'ai pas envie de faire du mal à ce business et j'ai pas envie de me faire du mal à ma carrière. Et puis, j'aime bien quand les gens parlent de leur vie un peu. Oh, et ça ferait du mal aux gens aussi. Eh bien, si jamais tu penses à ta retraite, cette offre t'attend. Ouais, genre tu vas te souvenir de moi d'ici 2 jours. Bien sûr. Vous voulez un autre verre, Monsieur Donovan? Monsieur Donovan. J'ai dit quelque chose de mal? Non, pas du tout, j'aime beaucoup le son que ça fait. Monsieur Donovan. C'est vraiment si spécial que ça? Au travail, tout le monde m'appelle Monsieur Dawson, ou Patron. Patron, c'est juste un titre, hein. C'est trop impersonnel, c'est trop froid. Ah bon? Monsieur Dawson, c'était mon père et mon grand-père, c'est trop général. Mais Monsieur Donovan, là, ça me plaît. Ça, c'est perso. Là, il me parle à moi, si tu veux, à l'homme qui est en face. Pas à ma famille, pas à ma position en tant que patron, à moi. Vous voulez que vos employés commencent à agir plus personnellement avec vous, Monsieur Donovan? Oh non, non, grand Dieu, non! Non, non, je veux qu'ils continuent à me craindre! Pas parce que je suis leur patron, hein, ou que j'ai le nom qui apparaît sur leur fiche de paie! Non, parce que j'aime bien leur foutre la frousse! À partir de demain, je vais les forcer à m'appeler comme ça! Ah, et tu me demandais quelque chose, qu'est-ce que c'était? Un verre, un autre, vous en voulez un? Ah, ouais. Vous savez quoi? La 3e fois, c'est la bonne! File-moi une bière! Très bien. Ok, bah une bière, 3e sauce,8. Voilà, très bien. Mix. Shake. Big beer. Une bière. Ah, en espérant que je m'évanouisse pas. Santé. Voilà, faites-vous plaisir. Hé, hey, gamine, ce bar, il a des investisseurs? Il a pas appelé ça un trou à rats? Surprenant. Il y avait un connard qui s'appelait Swen et qui voulait nous filer du pognon si on mettait son visage partout sur l'endroit. Mais à part ça, non. Ce genre de bar, c'est comme des... C'est comme des chaînes de fast-food, alors il n'y a pas d'investisseurs locaux. Pourquoi? Je voulais juste vous dire à quel point vous avez de la veine, vous savez. Les investisseurs, putain, ils pompent... putain. Les investisseurs, ils pompent autant l'air que ma femme pompe des bites. Ces bâtards pensent qu'ils sont tellement importants parce qu'ils l'aident du pognon dans l'entreprise.
Eh bien, c'est... Je veux dire, tu me files du pognon, enfin, je te file du pognon et comme ça t'en fais plus. Voilà, voilà, du coup, tu me donnes du pognon, moi je sais en faire, laisse-moi faire mon travail et bam, moi je te le rends au centuple, y'a pas de problème. Mais non, il faut qu'ils mettent leur nez partout et qu'ils commencent à changer absolument tout de manière éditoriale. À quoi ça sert d'être le patron si tu as travaillé pour quelqu'un d'autre? Vous devez quand même en répondre des au syndicat et puis vous devez et puis il y a le gouvernement, les règles, les lois et ce genre d'organisation, n'est-ce pas? Ouais, mais ça c'est de la paperasse, on s'en bat les couilles, je fais en sorte qu'un stagiaire s'en tape et puis moi je m'en fous. Non, ces espèces de losers, ils demandent des réunions. Ils commencent à parler de choses qu'ils aiment pas, des choses qu'ils ont trouvées offensantes. Et puis, y a toujours au moins un gars ou une connasse qui est là. Hey, pourquoi tu fais pas ce que fait l'autre journal? Hein? Récemment, ils m'ont dit qu'ils avaient besoin de plus de clics. Plus de clics, putain! Je fais en sorte de garder les choses à peu près équilibrées et à peu près juteuses, si tu veux, tout en gardant une qualité de production, mais c'est jamais assez pour eux. Vous savez quoi? Ils veulent plus de clics? Je vais leur donner plus de clics! Je vais leur montrer ce qui se passe quand je fais ce qu'ils veulent. Et que je rejette pas leur idée à la con. Ils vont savoir qui c'est, Donovan D. Dawson, les bâtards! Je devrais m'inquiéter? Nah. Bon, au moins il a payé avant de partir. Je me demande ce qui est arrivé à Sven cependant. On n'a jamais entendu parler de lui après. Jill! Oui? Qu'est-ce qui s'est passé dans ces chiottes? Ce genre de merdier. D'habitude, ça nécessite que t'aies au moins 2 pouces. Ah, des chiens intelligents, je te le dis. Tu penserais que leurs petites jambes les empêchent d'atteindre ce genre d'endroit, mais ils ont chié partout. Le plafond, les éviers, les toilettes, les ventilations. Chut, non, tu vas réveiller la belle au bois dormant, là, chut. Ah, j'oublierai pas ça. Ouais. Oh, un client. Bonjour et bienvenue au Valhalla. Que puis-je faire pour... Un big gun punch, fast. Oh non, plutôt une voix... Attends, il a une tête de sac à merde. Un big gun punch, voilà. Un big gun punch, un gros torboyau, et vite. Très bien. Il veut un torboyau. Bon bah on va lui donner un torboyau. Gun punch, et il en veut un big. Très bien. Il en veut un big, on lui donne un big ou un normal? On va lui donner un gut punch. On va faire confiance. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, un gut punch, un torboyau, c'est 5 bronzons d'extrate, un flanoride et de la carmotrine optionnelle. Âgé et mixé. Ça voudrait dire. En vérité, ça veut dire un punch fait d'intestin. Mais le nom décrit en vérité ce que tu ressens quand tu le bois. Ouais, un torboyau. Donc, amer, masculin, fort. Ok. D'où ce verre se permet de présumer de son sexe. Je vais pas le charger autant. 2 carmotrines, voilà. Le mec il veut se la péter, mais on va lui verser de l'acide, mais de l'acide pas trop alcoolisé si tu veux. Voilà. Ça a demandé un big. Ouais, non, mais. Oh non, il aura un gun punch et puis c'est marre. Ah oui, pardon. Ah oui, Aged. Voilà, gun punch, tiens, bois ça. Voilà. Tu peux le faire en vérité. Impressionnant. Mm-hmm. Cette crack house, comment on pourrait traduire ça? Je pourrais appeler ça une maison de passe. Maison de camé, salle de shoot, ce taudis. Ouais, ce taudis. Très bien. Ce taudis, c'est un bar? Oh putain, 3 rats, taudis. Ça sent la pisse de chien et le savon. Comment tu t'attends à ce que quelqu'un se sente confortable ici? Je suis surpris que vous ayez décidé de venir à notre taudis, monsieur. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Alors, le registre du paiement dit... Désolé pour la question, alors, monsieur Ingram McDougall. Désolé à propos de l'odeur, on essaie de le régler. Il y a eu un incident durant le week-end. Mais on est jeudi! Attends, Tuesday, non, c'est... On est mardi, pardon. Et on est mardi. S'il vous plaît, dites-moi s'il y a quelque chose que je puisse faire pour rendre votre séjour plus agréable. Si je te paie, est-ce que tu viendras avec moi à un motel pendant quelques heures?
Alors, les gens sont encore choqués, c'est l'heure du point culture. Hein. Moi, je l'assume. Je l'assume, ce point culture, et je m'excuse si ça choque les gens, mais c'est comme ça. Le mot nègre littéraire est un vrai terme qui est tout à fait légal. Hein. C'est ce qu'on soupçonne que J.K. Rowling a fait pour le livre 4, 5, 6 et 7. Hein. Et ça veut dire, en fait, quand tu as un nègre littéraire, ça veut dire que c'est quelqu'un qui écrit à ta place. C'est le terme, en fait. Par exemple, lorsque tu es un homme politique ou un mec qui n'écrit pas des livres, tu vas chercher un gars pour écrire à ta place et tu le payes. C'est le principe. Non, parce que les gens s'en choquent encore. Moi, je sais, mais tout va bien. Hein. C'est comme un cul de sac. Quand tu dis cul de sac, il y a cul. Mais tu peux le mettre dans Picsou. C'est légal. Les gamins peuvent lire et dire cul de sac. Là, c'est pas. Non, enfin, c'est comme quand tu parles de la gueule d'un chien. Gueule, c'est pas un gros mot, les enfants. Hein. Enfin, calmez-vous, quoi. Quelqu'un sur le chat qui est là. Et c'est une bonne position, ça, Scribe. Oh, la référence, bien joué. C'est une bonne position, ça, Scribe. Ah, putain. Ok, très bien. Si je te paie, tu viendras avec moi dans une chambre d'hôtel pendant quelques heures. Non. Eh ben, dans ce cas, tu me sers à rien à part me faire des boissons. Eh ben, super, une clientèle tellement agréable ce soir. Ah, je peux mettre la télé. Oh, les news. J'achète ça pour $1. Des cup noodles. Des bubules. Oh, du catch. À 6-0. Ah, d'accord. Oh, le catch, on va laisser le catch. Une clientèle pleine, tellement plaisante ce soir. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous avez décidé de venir dans notre bar alors? Quelqu'un m'a recommandé cet endroit et j'ai aucune idée pourquoi elle aime ça. Elle m'a dit qu'elle est régulière ici en plus, je commence à douter de ses goûts. Une régulière? Je peux demander qui? Non. Cependant, je concéderai une chose. Quiconque prend la musique ici a au moins un bon goût. Hey Jill, où est-ce que t'as mis le savon? Jill n'en a plus. Sous l'évier, là où il a toujours été. D'accord. Oh, un client. Bonsoir, monsieur. J'espère que vous appréciez votre séjour au Valhalla. Sinon, d'autres feedbacks que vous voulez nous dire pour qu'on améliore votre expérience client? Non, rien du tout. C'est un changement intéressant d'opinion. Je peux pas me permettre de parler mal de cet endroit alors que elle est là. Vous connaissez ma patronne? Je la connais pas, mais je sais qui elle est. Dana Zane, la comète rouge. La femme qui a déglingué qui a déglingué tous les casseurs du centre commercial à elle toute seule, en les assommant un par un. C'est à la fois un accomplissement et un titre dont je n'avais jamais entendu parler. Je sais que la patronne a fait pas mal de choses avant d'ouvrir ce bar, mais ça a l'air... vous savez comment elle a obtenu son bras mécanique? Ah, j'ai entendu quelques histoires, mais elles ont l'air trop fantastiques pour être vraies. Ah putain, je viens de me rendre compte qu'il y a du bruit en fait quand tu laisses le texte passer. Je cliquais moi en fait, et du coup ils bougent et ils sont animés, mais je sais pas... Parce qu'en fait je trouve le... très chiant en fait. C'est pour ça donc je l'ai passé. Vous avez un changement d'attitude intéressante? J'ai vu cette femme déglinguer des casseurs armés jusqu'aux dents avec à main nue. Lorsque tu vois un truc comme ça, c'est pas difficile de fermer sa gueule en face d'une personne pareille. Intéressant. Vous pouvez vous relaxer cependant. Je ne l'ai vu gérer des clients personnellement que deux fois, ou deux ou trois fois. Il y avait une fois qui impliquait une arme de catégorie 5, une autre qui était un espèce de dragueur du dimanche, et le dernier était un alpaca. Un alpaca? Ben, pas vraiment un alpaca, mais c'était genre... Il y avait cette femme qui avait une compagnie de textile. Et puis un jour, elle était vraiment bourrée et elle a commencé à hurler qu'elle était un alpaca. Et puis elle a commencé à cracher sur tout et tout le monde. Alors ma patronne l'a déglinguée et on l'a foutue dehors. Enfin, j'aimerais pas me souvenir de cette nuit, donc je vais m'arrêter là. Vous voulez boire autre chose? Est-ce que je peux avoir un... Pile driver? S'il vous plaît. S'il vous plaît? Eh ben, ça c'est un mot que j'ai pas entendu aujourd'hui. Tout de suite. Ok, donc il veut un pile driver. Un pile driver, c'est 3 extraits de Bronson, 3 phalanges et 4 gambottines. Gros gameplay, hein. J'espère que ça vous plaît.
tout mixé. Ça ne brûle pas aussi fort sur la langue, mais vous n'avez pas intérêt à avoir mal à la gorge quand vous le buvez. D'accord. Bitter Manly Burning. Ah ouais, d'accord, c'est Econ Zero en fait. Putain, mais le mec, il se source avec des boissons, il rigole pas, hein, le gars. Hop. Bye, driver. Voilà. Hein, ça fera l'affaire, j'imagine. Eh, dame, vous avez déjà simulé un orgasme? Je me demande, tout le monde me disait « Bob, il faut que tu fasses ce jeu, Bob, il faut que tu fasses ce jeu, Bob, il faut que tu fasses ce jeu. » Plus j'avance, et plus je me demande si tous les gens qui me disent de faire ce jeu, si on regardait sur leur Twitter, combien de proportions d'images Fury il y aurait, si tu veux. Je me pose des questions. Je me pose des questions. « Bob, tu discrimines !» J'ai rien dit. J'ai rien dit. Je me suis contenté de juger silencieusement. Alors, excusez-moi, j'ai mal entendu. J'ai demandé si vous aviez déjà simulé un orgasme. C'est une question à laquelle je ne vais pas répondre. Ah, mais prendre ça pour un oui alors. Je réfléchissais juste à comment un mensonge peut être bien. Je veux dire, même les gens les plus sincères mentent de temps en temps. J'ai l'impression que c'est pas du tout la musique pour ce genre d'ambiance, donc... Ouais, pas mal. Ok. Même les gens les plus sincères mentent de temps en temps. Les mensonges peuvent vous faire gagner du temps, les mensonges peuvent vous rendre heureux. La réalité viendra taper à votre porte à un moment ou à un autre, mais pour cet instant, le mensonge, ça peut vous donner un but. Je dirais que les mensonges, c'est comme notre stock de porn. On sait qu'ils existent, mais on n'a pas envie de dire aux autres qu'on en a. Est-ce que ça veut dire que vous avez vraiment simulé des orgasmes? Parce que vous avez l'air d'avoir pas mal d'expérience, hein. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment une pensée assez aléatoire à avoir juste comme ça. Est-ce que vous mentez à propos de quelque chose tout de suite? Non, pas vraiment. Je réfléchissais juste aux gens qui viennent ici et qui font des commentaires polis à propos de ce taudis. Évidemment, c'est à ça que vous pensiez. Ah, je vais avoir besoin d'un autre verre, là. Tout de suite, vous buvez pas ça un peu vite? C'est mon problème, pas le vôtre. Donnez-moi un Fringe Weaver. Très bien. Donc un tisseur de bordure, allons-y. Fringe Weaver. Fringe Weaver, un Adéhil des 9 Kermotrons! Aged and Mixed. C'est comme de boire de l'alcool éthylique juste avec une cuillerée de sucre. Je me demande si on peut le doubler. Non. Ok. Ah, il fallait que je l'age. Merde. Je vais voir si on peut le doubler en fait. Je peux faire un gros Fringe Weaver. Ouais, mais voilà. Ouais, mais j'ai pas envie de tuer le client. On est d'accord que ça tue direct, hein. Voilà, restons calmes. Non, restons calmes. Voilà, pas mal. Pas mal, pas mal. Ok, très bien. Essayez de ne pas le boire trop vite. C'est à moi de décider ça. Eh, madame. Vous êtes déjà senti vide? Vide comment? Genre quand j'ai faim? Non. Je veux dire vide. Comme s'il manquait une partie de vous. Je peux pas dire que ça me soit arrivé, non? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose chez moi qui me manque. Il me manque quelque chose. L'envie d'obtenir ou de faire quelque chose et j'arrive pas à le satisfaire. Vous avez essayé de prendre un hobby? Ce serait peut-être pas la meilleure solution pour résoudre vos problèmes, mais ça vous occupera suffisamment longtemps pour éviter d'y penser. Des suggestions? Eh ben, collectionner des trucs... Lire, faire du saut à l'élastique, du sport de combat, de l'exercice. Ça a l'air vachement moins cher que l'alternative. Et c'est quoi l'alternative? Bah, l'alcool et les putes. Based.
J'ai essayé le tourisme sexuel une fois. Ah, mais c'est comme une putain de roulette russe de maladie vénérienne. Alors, je me suis tiré en plein milieu. Un jour, j'ai cramé mon bonus de Noël en engageant 3 femmes pour une orgie. Le porno, c'est beaucoup plus marrant et c'est beaucoup moins cher. J'ai aussi engagé une fille pour agir comme ma fille pour un jour pendant 3 années d'affilée. Rien m'aide à passer ce sentiment. Vous avez essayé de sauver un petit chien ? On peut pas baiser les petits chiens. Enfin, on devrait pas. J'ai pas d'idée, alors je peux pas... J'arrive pas à penser à quelque chose qui pourrait aider. Hein, j'attendais pas à ce que vous m'aidiez, vous me croyez. Ah bon ? J'aurais pu vous mentir depuis le début, hein. Les gens mentent, mademoiselle. Quoi qu'il en soit, je me tire. L'odeur est en train de me tuer. Eh ben, à la voyure, du coup. Je compterais pas là-dessus si j'étais vous. Pouf ! Fantastique ! Chaton. Fantastique ! Coquet pute, le mec. Alors, par contre, moi, je suis perturbé. Enfin, le truc, c'est... Bon, j'ai claqué tout mon bonus de Noël, j'ai fait du tourisme sexuel, tout ça. Ouais. À la rigueur, ok. Pourquoi pas, si tu veux. Je conceptualise. J'ai engagé une femme pour qu'elle fasse semblant d'être ma fille pendant un jour, 3 ans d'affilée. What? What? Non mais c'est pas que ça dure depuis 3 ans, c'était genre la veille de Noël, il engage la même fille pour qu'elle fasse semblant d'être sa fille, si tu veux. C'est chaud. Pouh. Patronne, je vais prendre mon break. Très bien. Oh là 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 là. Et ça fait déjà 53 minutes. Oh là 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 là. La violence. Il y a combien de jours à ce jeu? Parce que les gens sont là, Bob, on en veut appeler Trou, Bob, c'est fantastique, Bob. Sauf que, bien sûr, vous allez regarder l'épisode 1, vous allez me dire que c'est génial, vous allez regarder l'épisode 2, vous allez dire que c'est bien, et vous allez jamais regarder l'épisode 3, vous allez jamais regarder l'épisode 4, vous allez jamais regarder l'épisode 5, vous allez jamais regarder... Et vous allez regarder l'épisode final, pour vous donner bonne confiance. Pour vous donner bonne conscience, excusez-moi. Voilà. Donc je vous aime, mais je vous déteste. Ok, allons-y. Oh, mais ça va, me dis pas de prendre des pauses aussi. Putain, ce jeu Nintendo, quoi. Au moins, je me suis pas fait enfermer dehors cette fois. Horry comes. Horry's pissed. Faut-il que je t'astique la stie, toi, dès le matin? Quand tu te tapes à la porte pour que la patronne t'ouvre. Ok. Allons-y. Il faut que je mette des nouvelles musiques. Ok. Excusez-moi. Là, j'ai clairement choisi des musiques au pif. C'était le plaisir. Allons-y. Allons-y. Ok, ben, on y retourne. Ah. Voilà, très bien. Bonsoir. Bonsoir. Ça vous dérangerait pas d'enlever votre casque ? Oh, pardon, il est tellement confortable que j'oublie de le garder. Enfin, j'oublie que je l'ai sur la tête. Hey, on va lui faire une voix douce. Ça va mieux comme ça? Oui, merci. Et qu'est-ce que je peux vous servir, mademoiselle? Maître spécialiste Saipe Asagiri de la 765e division des corps des Valkyries à votre service. Attendez, c'est juste trop long, appelez-moi Sei. Et qu'est-ce que je peux vous servir, Sei? Voyons voir. J'aurais bien envie quelque chose de sucré. Quelque chose de sucré et de cool, mais pas genre cool, mais genre sucré en fait.
Et puis, quelque chose de cool, ce serait bien, mais pas cool genre bien, mais cool genre froid, mais pas gros non plus. En plus, il faut que je me lève tôt demain parce que je peux pas me permettre d'avoir la gueule de bois. Désolé, ça vous avez compris ? Alors, ok, très bien. Un verre sucré, froid, pas trop gros, ok ? Ouais, exactement. Très bien, je vais voir ce que je peux faire. Alors, on va voir ce qu'on peut faire. Bon, bah, je crois que c'est là, c'est le bon moment, j'ai envie de dire, pour trouver ce qu'elle veut. Alors, déjà, on devrait lire toutes les boissons, si ça vous dérange pas. Ou peut-être qu'on fera ça en début d'épisode suivant. Là, pour l'instant, elle veut quelque chose de sweet. Allons-y. Donc, le Sugar Rush. Sweet, girly, happy. C'est pas mal, ça. Sweet, light and fruity. As girly, does it great. Sucré, léger et fruité. Aussi féminin qu'il est possible de faire. Donc, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? The Sparkle Star. D'accord, le Sparkle Star. En vérité, c'était des boissons qui étincelaient en vrai, mais il y a eu beaucoup trop de plaintes à propos des problèmes de peau et qui ont forcé de redesigner toute la boisson. Sweet Girly Happy. Ok. Blue Fairy. Boire un Blue Fairy, une fée bleue, fera en sorte que vos dents deviennent bleues. J'espère que vous êtes lavé les dents. Adorable. Ok, Sweet Drink, Moonblast, 180. Je regardais les prix en fait pour savoir lequel était le plus cher si tu veux. Le Moonblast, aucune relation avec le canon à hadron qu'on peut voir sur la lune une semaine par mois. D'accord, il y a un canon à hadron, c'est la violence. Canon à hadron, il y a ça dans Gundam Wing, il y a ça dans Code Geass aussi, hein, c'est la violence. Tu peux appuyer sur les flèches. Ouais mais les flèches les mettent pas dans le bon ordre. Les flèches les mettent dans l'ordre... Tu vois, on est dans l'ordre... C'est un ordre bizarre, en fait. Brantini. C'est comme un martini, mais... 8 personnes sur 10 sont des connards pédants... 8 sur 10 des connards pédants qui boivent ce genre de boisson la recommandent. Mais ils sont beaucoup... Enfin, la recommanderaient, mais ils sont beaucoup trop occupés à être des connards pédants. D'accord, très bien. Et enfin... Le Piano Woman. 320$. Ah, mais il y a plein de carmotrine dedans. A la base, on appelait ça un Pretty Woman, mais trop de gens se plaignaient qu'il devrait y avoir une Piano Woman s'il y avait un Piano Man. C'est équitable. On va partir sur le Moonblast, je pense, à 180. Deux carmotrine, On The Rock, and Blended. Blended, c'est pas Mixed. Blended, c'est peut-être le gros mix, on va voir. On va voir. Check, check, check. Check, check, check. C'était ça. Ah, voilà, donc blended, ça veut dire qu'il faut mixer très fort. Ok, très bien. On avait dit une boisson légère. Il y a deux carmotrines, ça va bien se passer. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Et puis, il y a de la glace dedans. Donc, elle voulait que ce soit frais. Et voilà. Ah, super, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Merci. On n'a pas beaucoup de chevaliers blancs en client. Je ne me souviens que d'un seul autre, dans tous les cas. Vous avez dit que vous étiez du corps des Valkyries, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est vous qui gérez les émeutes et tout ? Les émeutes ? Oh, non, vous pensez au... Ah, putain, les corps. Ça se dit, un corps ? Ouais. Ou à la... L'escouade ? Corps, escouade, brigade. On va appeler ça la brigade. Voilà, c'est pour ça. Vous pensez à la brigade Blitzkrieg, ceux qui ont les grosses armures, n'est-ce pas ? Ouais, ceux-là, ouais. Ah non, on est complètement différents. Enfin, je veux dire, évidemment qu'on est complètement différents, on est des gens différents, je veux dire, mais voilà, mais nous, on ne gère pas les émeutes ou quoi que ce soit. En vérité, on pourrait même dire que nous, on gère avec ce qui se passe après les émeutes. Comment ça ? Eh ben, on soigne, on sauve et on protège. Nous sommes les anges qui apaisent les souffrances et sauvent les innocents des attaques ennemies. Nous sommes la lumière de la lumière de l'espoir dans les temps les plus sombres. Nous sommes ceux qui aidons les victimes du crime. Nous surveillons, nous protégeons. Ah, d'accord. Et c'était quoi ça ? Désolé, c'est genre notre pledge, notre serment d'allégeance. On le récite tous les matins. Ce que ça veut dire, c'est que nos devoirs, ça consiste généralement à sauver des civils, soigner les blessés et les protéger de trucs. Quel genre de trucs ?
Les cambrioleurs, les violeurs, les accidents de voiture, n'importe quoi qui pourrait arriver pendant qu'on surveille. Vous avez parlé de soigner, ça veut dire que vous êtes une doctoresse ? Non, je connais plein de toubibs, mais moi j'en suis pas un. Non, moi je suis un paramédic, si vous voulez, hein, je comme une infirmière d'urgence, moi je gère les gens avant qu'ils puissent... C'est pas une infirmière, c'est ambulancière. Comme une ambulancière, moi je gère les gens de manière à ce qu'ils puissent arriver en toute sécurité devant un vrai toubib. Je suis aussi une pompière et parfois je sauve les gens d'endroits qui brûlent. Eh ben putain, ça a l'air super compliqué. Lol. Oui, mais c'est vraiment très gratifiant. Je veux dire, j'ai pas encore trouvé qui que ce soit qui était pas content que j'arrive. Eh ben, c'est vrai que vous devez être des visions... Vous devez être des vues soulageantes. Vous devez soulager les gens quand vous débarquez. Ouais, il y avait une fois où j'étais en train de sauver des gens du haut d'un bâtiment qui s'écroulait. Et j'ai regardé, et puis là, bam, tout à coup, j'ai vu qu'il y avait la plus belle ville qui soit. Glitch City, c'était vraiment un paradis sur Terre. Oh, et il y avait aussi le moment où on nettoyait aussi l'après-coup d'un accident de voiture. Et puis il y avait de l'eau qui sortait d'une... Excusez-moi, je viens juste de me souvenir comment les Québécois appelaient leur borne à incendie, si tu veux. Comment ils appellent leur borne à incendie, les Québécois? C'est un truc qui est ridicule, mais c'est fantastique. Je suis désolé. Ils ont un terme pour les bornes à incendie, mais ça veut rien dire en fait. C'est pour ça. Mais c'est pas grave. Si je m'en souviens, mais je me souviens que ça m'avait fait beaucoup rire, non si. La pompe anti-feu. Il y avait un truc comme ça. C'était un délire comme ça qui était la borne fontaine. La borne fontaine. Je crois que c'est peut-être un truc ça aussi. Hein, mais c'était bon. Voilà. Dans tous les cas, voilà. Il y avait de l'eau qui sortait d'une borne fontaine. Avec les lumières et tous les morceaux de verre, c'était presque surréel. C'était tellement beau. C'est pas ce que je voulais dire par vue soulageante. Non, mais ce sont des vues, et puis moi ça m'a soulagé, et puis... Ouais, mais bon, laissez tomber. Attendez, est-ce que vous avez... Putain, comment tu traduis? Attendez, est-ce que j'ai mal entendu et qu'en fait vous aviez dit plus? Je veux dire, oui. Enfin, ça leur a pas plu, parce que moi j'ai souffert pendant les... J'ai souffert des soupirs les plus frustrés et les plus dépressifs des gens après que tout soit fini, mais... Ne vous inquiétez pas, m'avez pas mal entendu. J'imagine que j'attendais juste un autre type de réponse. Quel genre de type de réponse? Ah, vous en faites pas. Vous avez fini votre verre. Est-ce que je peux vous servir autre chose? Ah, quelque chose de classe. Un verre classe. Pour une femme classe. Vous pouvez être plus spécifique? Oh bah, un truc pas trop gros, ça compte? Ah, je suis désolé, je vais pas au bar très souvent. D'habitude, je bois, mais en canette. Pas de problème, vous inquiétez pas. Alors, un verre classe, distingué, raffiné. Voyons voir ce qu'on peut vous trouver. Bon, putain, c'est pas une flèche, hein, mais bon, après, elle est pompière, elle est flic, pompière, ambulancière, elle fait la totale, si tu veux, donc je n'en veux pas, mais bon. Classy, y a pas de classy. Classy drinks. Cobalt Velvet. Batouch Brantini. Hey, le Brantini, comment ça coûte? Batouch, $250, mais 4 carmotrines. Je voulais pas que ce soit trop gros. Brantini, 1 carmotrine, c'est pas mal ça. Mais ça vaut combien? Ça vaut 250 aussi, c'est pas mal. Cobalt Velvet, 285 carmotrines. Ok. Fridge Weaver, 260. Mercury Blast, 250. Ouais, il nous faut du fric. Et vous voulez pas se bourrer la gueule et qu'à pas venir au bar. Rox et Mixed. Ah, ça a l'air stylé en plus. Ça ressemble à du champagne qui aurait été servi dans une tasse avec un petit peu de Coca-Cola dedans. Très bien. Bah ça c'est si c'est classe, ça c'est classe. Allons-y. Et voilà. Ouais, ça ressemble à quelque chose que Stella boirait. Qui ça? C'est mon amie la plus proche. C'est pas que j'ai pas d'autres amies, hein, mais c'est celle que j'ai connue depuis plus longtemps. Elle adore ce genre de verre, alors je voulais voir ce qu'il y avait de si spécial à leur propos. Et qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus fort, mais j'aime beaucoup. Dites-moi, mademoiselle la barmaid, c'est quoi votre nom? Ah? Bah, vous connaissez mon nom, moi je veux connaître le vôtre.
Appelez-moi Jill. 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 Jill, c'est le diminutif de Jillian. Non, non, c'est pas bon. Julian. Ne m'appelez pas Julian. Merci. Ah, désolé. Non, non, excusez-moi, c'est moi, je voulais pas vous mettre en colère. Ah, et puis, pourquoi vous aimez pas qu'on vous appelle par votre nom complet? Une raison à la con, n'y réfléchissez pas plus. Ok, ok, désolé de vous avoir mis en colère cependant. Pourquoi? Parce que vous avez l'air d'être une femme sympa, Jill, et j'aime pas mettre en colère les gens sympas. Si ça aide cependant, j'aime beaucoup l'endroit. Ça aide en vrai. Vous êtes la première personne à dire quelque chose de sympa à propos du lieu, merci. Qu'est-ce que vous aimez à propos de l'endroit? Oh, ça sent l'urine de chien et le savon. I'm going to drown you in now. I'm going to drown you in alcohol, like a retarded puppy. Bon. Ma maman était vétérinaire, et puis j'allais à sa clinique après l'école, et puis l'odeur, c'est très nostalgique pour moi. Ça me fait ressentir toute confortable et comme si j'étais à la maison. Et pourquoi vous êtes devenue une chevalière blanche plutôt qu'une vétérinaire ou autre chose? Eh ben, j'ai jamais été une bonne étudiante, alors étudier la médecine ou du genre, bah c'était pas sur la table. De plus, c'est principalement à cause de quelque chose qui est arrivé quand j'étais gamine. Un chevalier blanc a attaqué mon ami et il est venu pour m'attaquer moi, tandis qu'un autre chevalier blanc est venu nous sauver. Je me souviens pas ce qui s'est passé par la suite, je me suis juste réveillé dans un hôpital avec mon ami qui me surveillait. Je veux dire, c'était pas un moment prophétique ou quoi que ce soit, mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai senti que c'était ce que je voulais faire. C'est pour ça que je voulais aider les gens comme ils m'avaient aidé. C'est intéressant, cependant. On pourrait penser que de vous faire attaquer par un chevalier blanc vous pousserait dans la direction opposée. Ouais, mais c'était un autre qui m'avait sauvé. Alors du coup, je me guide en jugeant les gens sur une base individuelle. Enfin, pas à un niveau extrême, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, j'essaie de faire la même chose. Pourquoi avoir rejoint le corps des Valkyries, cependant, spécifiquement? Parce que je voulais sauver les gens de situations dangereuses dès que possible. Et puis, faire des patrouilles et tout ça, ça avait l'air chiant. Et puis, c'est celui où il y a le moins de paperasse. Et ben, maintenant que j'y réfléchis, il y a plusieurs types de chevaliers blancs, n'est-ce pas? Ouais, j'imagine que chevalier blanc, c'est un terme trop large. Il n'y a pas de type spécifique, alors qu'il y a plein de classes différentes. Le sauvetage, l'assaut... Et puis, il y a même une escouade remplie de bureaucrates. Vraiment? Ouais, c'est eux à qui on... C'est comme les avocats, c'est eux qu'on colle sur les compagnies qui doivent gérer la comptabilité et tout ce genre de conneries. Les gens leur demandent pour qu'ils accélèrent les processus. Mais quelques-uns sont assignés à une entreprise quand parfois on voit que tout n'est pas très très propre dans leur comptabilité. Intéressant. Il y avait aussi une escouade dédiée à combattre la brutalité à l'école. Ils faisaient un bon travail, mais bon, la période pour combattre la brutalité s'est passée. Les gens n'y pensaient plus et l'argent a cessé de couler, donc... J'imagine que quelques membres continuent à travailler sur ce genre de cas dans une capacité non officielle, mais bon. C'est cool, j'imagine. Anti-harcèlement, merci, pardon. C'est cool, j'imagine. Je peux vous servir autre chose? Je sais pas si je devrais. Je peux pas payer autant de boissons et de plus, je sais pas si je peux gérer mon alcool. Je vois ça. Ah, je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Merci pour le dialogue, Jill. Pas de problème. Bye. À la revoyure. Sans aucun doute. Attendez, vous avez oublié votre casque. Elle est partie. Wow. Jill. L'ammonia t'a rendu fou ou bien? Il y avait... Il parle de Zanzibar, j'ai bien fait de lui donner la voix de Snake. Il y avait une époque à Zanzibar où ça faillit être le cas. Dans tous les cas, je vais vérifier ce bruit. Quoi? Oh, elle s'est réveillée. Ah oui, la fille, d'accord. où je suis? Où je suis? Bonsoir et bienvenue au Valhalla. Ah merde, attendez, excusez-moi. Je la refais, excusez-moi. On va la refaire, pouf pouf. Voilà. Bonsoir et bienvenue au Valhalla. Quoique, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Valhalla? Je suis morte? Ça veut dire que tout ce que disait l'oncle Ingus à propos de l'après-vie, qui ressemble à un vieux bar pourri et une maison de passe, c'était vrai?
L'après-vie ? Je suis pas morte ? Bah, apparemment non. Pour être honnête, je ne sais pas à quoi ressemble la vie après la mort, mais vous respirez, là. Très bien, dans ce cas-là, je suis où ? Comment je suis arrivé ici ? Qui m'a amené ici ? Qu'est-ce que vous allez faire de mon corps ? Est-ce que vous êtes des trafiqueurs d'organes ? Des voleurs ? Des violeurs ? Des pickpockets ? Vous êtes des pickpockets ! Vous êtes des rappeurs, j'en suis sûr ! Pourquoi vous avez rien dit ? J'attendais juste que vous finissiez, sinon vous allez juste... Vous êtes des violeurs, n'est-ce pas ? Des violeurs, des rappeurs, je le savais ! Vous voulez m'arracher mes vêtements, me rendre inconsciente, me tenir contre le mur, me prendre violemment en prenant une poignée de mes cheveux, me susurrer des saloperies à l'oreille, prendre des photos de moi, les vendre sur internet, et faire du chantage pour que je revienne assouvir vos désirs, mais cette fois vous serez à plusieurs et vous allez continuer jusqu'au jour où je servirai plus à rien et je serai enceinte et vous me tuerez avec le bébé. Allez Rii. Bon, bah on va nulle part. On va voir si on peut lui servir un verre histoire de la calmer. Alors, un verre pour la calmer. Qu'est-ce qu'il y a ? Bob, tu peux débloquer une fin secrète si tu lui donnes un verre spécifique. Comment ça ? Comment ça ? Oui, non, parce qu'elle est partie en mode... C'est la violence, hein. J'ai envie de lui donner du GHB, mais là c'est pas une bonne idée. Ok, un Adélide, un Bronson, deux Delta, trois Flageurs et cinq Camocrine. Tu vois, Bronson, deux Delta, trois Flagerine et cinq Camocrine. Et tu le mixes juste. Oh lol. Flamango Moai, Flaming Moai. Putain, mais je l'ai pas. Waouh, une vraie info de chat. Incroyable. Eh ben, voilà. Qu'est-ce que c'est? Un verre. Vous êtes dans un bar. Les bars servent des verres. Un bar? Ah, alors j'imaginais que j'allais vous donner quelque chose pour vous calmer. Vous inquiétez pas, c'est gratuit. Pour me calmer, hein? Vous avez mis quoi dedans? Des roofies? Du GHB? Non, du Dieu, d'où Jésus, non. Je m'en serais jamais à faire ça. Vous bégayez, ça vous rend suspecte, vous le savez. Si j'avais ajouté quoi que ce soit à ce verre, il le retirait de ma paye, et puis il me prendrait mon argent et mon métier, et puis il faudrait que je paye les procès. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Je pourrais me faire virer et perdre tous mes avantages et finir en prison. Ça va pas, non? Et puis, croyez-moi, hein, les BTC, ils adorent... BTC, je sais pas qui c'est les BTC, mais bon. Ils adorent choper le genre de connard qui fait ce genre de truc. Oh, ils seraient très contents. Et puis, mon visage passerait à la radio puis à la télé pour qu'ils montrent à quel point ils seraient contents de m'avoir capturé. Oh, et l'idée d'aller en prison rien que pour ça, non merci. Brouf. Même si vous dites ça, on va faire quelque chose. Si vous allez dehors et que vous allez à trois magasins sur votre gauche, vous allez trouver un magasin général. Ils vendent des tests pour la drogue, pour les verres. Demandez à la caissière que Dana Zane vous a envoyé. Deux voitures volantes se sont écrasées et ont explosé. C'est ça qui a fait le bordel. Quels sont les dégâts? Un trou dans la rue. Aucune idée. J'ai pas vu les conducteurs cependant. Je vois. Dans tous les cas, je pense avoir fini. Est-ce que tu as vérifié l'intérieur du placard à papier toilette? Qu'est-ce qu'il a à l'intérieur du placard à papier toilette? Oh mon Dieu! Comment? Pourquoi? Quoi? Je suis de retour. Ils ont essayé de me donner des bandages d'abord. Vous avez eu à payer? Non. Pas de problème alors. Essayez-le sur le verre. Ça dit que c'est négatif. Eh ben voilà. Mais vous pourriez être de mèche avec le gars qui travaille dans le magasin. Il connaissait même votre nom.
C'est un bon point, mais tout d'abord, ce n'est pas mon nom, c'est le nom de ma patronne. De deux, nous sommes une part d'une chaîne de restauration de bars, comme le KFC ou d'autres types de bars. Et enfin, je ne vais pas vous forcer à boire ça. Je vous l'ai offert en signe de paix. Je veux dire, vous avez raison, c'était très suspect de ma part. Désolé. Vous pouvez juste ignorer le verre, alors, prendre cette porte, tourner à gauche et oublier que quoi que ce soit de tout ceci est arrivé. Et ce serait terminé, vous serez en paix et on n'aurait rien perdu et tout ira bien. Est-ce que vous impliquez... Are you implying, shitlord? Est-ce que t'impliques que quelque chose n'aura pas de valeur parce que je l'aurais ignoré? Est-ce que vous allez me dire que ma présence est tellement peu importante que mon manque d'action ne fera absolument aucune différence? Mais quoi? Et à propos du verre, hein? Vous allez laisser le fruit de votre travail partir à la poubelle si facilement? Mais non, je... Eh ben, je vais vous laisser savoir que je suis pas si non importante et que votre travail, il compte à mes yeux. Oh putain. Oh. Tu veux... Roger, j'ai besoin que tu boives ce verre. Non, je veux pas. Tu veux? 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 Je veux pas. Tu veux pas? Je veux. 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 Tu veux pas? Ah, mais quand je te dis que je veux, ça veut dire je veux. Oh, mais le Bugs Bunny, quoi. Ah non, mais... Allons-y. Pas dit que vous devriez le boire aussi vite, cependant. Alors, comment c'était? Ça va aller, mais c'est pas quelque chose que j'aurais commandé d'habitude. Ça va? Ouais, j'imagine que vous disiez la vérité. Désolé à propos de ça. Pas de problème, si j'étais vous, j'aurais réagi de la même manière. Enfin, je devrais m'excuser pour mon dernier commentaire aussi. C'était très insensible de ma part. J'imagine que je vais rester ici pendant un moment. J'ai besoin de réfléchir à ce que je vais faire. Vous pouvez me dire comment je suis arrivé là? Ma patronne vous a trouvé inconsciente et vous a apporté ici pour qu'on vous garde. Et vous dormiez jusqu'à ce que les voitures se rendent dedans à l'extérieur. Je vois. J'imagine que c'est mieux de se réveiller ici que dans la rue. Nu de vêtements, de sa dignité ou de ses organes. Quand vous êtes tombée inconsciente, vous étiez fatiguée, malade? J'imagine que je suis malade, mais j'ai pas envie d'en parler. Très bien. Et vous savez quoi? Vos verres, ce soir, gratos. Allez, c'est la maison qui offre. Mais pourquoi vous feriez ça? Considérez ça que c'est une excuse de la part de tout le monde ici pour les emmerdes qu'on vous a posées. Et puis, quelque chose me dit que vous avez bien besoin d'un verre, là, tout de suite. Ouais, vous avez peut-être raison. Ok, très bien. Dans ce cas-là, j'accepte votre offre. Je vais prendre un pianoman. Ça ira? Ouais, j'ai juste avalé le dernier, alors je veux juste apprécier celui-là et le siroter. Très bien, un pianoman, tout de suite. Pianoman, tout de suite. Pianoman. Pianoman. 2 Adelaide. 3 Bronson Extract. 5 Power Delta. De la Flanergide. Et 3 Carmotrine. Bien sûr. On the rocks, mixed, shake, hop là, pianoman. Easy, c'est facile ce jeu. Voilà, ouais c'est ça. Mon père avait l'habitude d'en boire avant qu'un véritable pianiste tente de le tuer. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Enfin, votre père j'imagine, pour provoquer le pianiste comme ça. Mauvais endroit, mauvais moment j'imagine. Il était en train de se relaxer dans un bar et soudainement le pianiste a sauté de la scène et a commencé à le frapper. Il y en a qui disent qu'il n'avait pas pris ses médicaments et que mon père ressemblait à un espèce de critique musical qui avait écrit un mauvais article sur lui. Moi, je continue à penser qu'il était trop excité. Le jazz, ça fait ça hein, aux gens. Je vois. Voilà. C'est pas un truc plus cool? Ouais, c'est très bien ça. Très bien. Je vois. Le pianoman a une histoire très intéressante. Originellement, ça a été créé par un barman en l'honneur d'un amiste pianiste qui... en l'honneur d'un de ses amis pianistes qui venait juste de mourir. Apparemment, ça mélange toutes les saveurs que son ami aimait le plus. Oh, c'est sympa.
Et comment... Ah, alors c'est comme ça que l'on ressent lorsqu'on prend un verre à la fin d'une dure journée de travail. Je suis pas sûr si j'aime le fait que ça commence à me plaire. Et où est-ce que vous travaillez, mademoiselle? Appelez-moi Kim. Je sais pas si je peux dire où est-ce que je travaille, ou si je travaille, mais je suis juste une stagiaire. Je peux vous demander où? Vous avez entendu parler du journal qui s'appelle L'œil augmenté? Je le lis tous les matins. En fait, il y avait Donovan des Dawson qui était là plus tôt. Ah, je savais que j'avais senti la puanteur de son eau de Cologne. Cet enfoiré laisse sa puanteur partout où il va. Eh ben, vous me croyez du coup? Oui, je vous crois. Oh, vous avez aucune idée à quel point je déteste cette espèce de porc chauvin et misogyne. Très bien. Des mots durs. Le pire, c'est que quelque part, je l'admire. Il est tellement bourrin à propos des choses qu'il veut que les gens fassent, que les gens le font avant qu'ils s'en rendent compte. Il a même réussi à faire travailler un livreur de pizza, un garçon livreur de pizza, pour le faire travailler à la maintenance des serveurs. Une semaine tout entière s'est écoulée avant que la boutique à pizza appelle pour savoir où est-ce que le serveur était passé. Où est-ce que le livreur était passé, pardon. Où est-ce que le livreur était passé? Et croyez-y pas, mais le mec en plus est devenu décent à la maintenance de serveur, hein, même s'il avait aucune expérience. C'est... Entrez, gamin. Oui, bonjour, je viens livrer la pizza. Ah, super, viens là. Comment tu t'appelles? La pizza, mais je... Thomas, on va t'appeler Thomas. Alors Thomas, est-ce que tu connais quelque chose en serveur? Non, je suis livreur, moi, monsieur Passer. Parfait, excellent. Livreur, serveur, c'est la même chose. Tiens, répare-moi ça avant 4h de l'après-midi. J'ai ma femme qui m'appelle, il faut que j'aille choisir d'autres tapis. Crunk. Mais, 4h plus tard. Crunk. Ah, le livreur, serveur, quoi que ce soit, Billy, comment ça s'est passé? Eh ben, j'ai réussi à reconnecter l'imprimante et... Mais à propos, j'ai dit ça. Excellent, excellent, je t'ai embauché. Tu viens demain, 8h. Tu es engagé. Tu viens demain à 8h. Et le pire, c'est que quand il ferme la porte et qu'il quitte le journal, la salle des serveurs, il ferme la clé derrière lui. Ce qui fait que t'as le petit gamin pizza, enfin le livreur de pizza, qui mange sa pizza et qui passe la nuit au bureau, si tu veux, qui est enfermé. Et le lendemain, à genre 8h05, quand le patron débarque, ah Billy, tu es déjà dur à la tâche à ce que je vois, excellent, j'aime les gamins qui travaillent tôt. Pour la peine, je multiplie ton salaire par 1. Non, je déconne, j'aime beaucoup rigoler. Allez, les serveurs, ça avance. Putain. Et t'y crois pas, mais le mec est devenu décent à la maintenance des serveurs. Le pire, c'est que le mec, il s'y est mis, si tu veux. Il a tellement pas réfléchi. Ah, oh, c'est du génie. J'avoue, rien que pour ça, le mec, il a gagné 3 points pour moi. C'est complètement admirable, mais en même temps, je le déteste. Ah, savoir que je dois travailler pour lui, ça me dégoûte. Et pourquoi vous travaillez là-bas, alors? Ah, j'ai posé une question que j'aurais pas dû. Non, non, vous en faites pas. J'aimerais pas en parler, cependant. Très bien. C'est quoi votre nom, madame? Jill. Appelez-moi Jill. C'est difficile d'être barmaid, Jill? Eh ben, j'imagine que c'est aussi difficile que d'être cuisinière quelque part. Vous faites le boulot, tandis que vous essayez de faire... Vous faites le boulot, vous faites le taf et vous essayez de produire quelque chose de qualité. Tout en répondant aux commandes étranges et bizarres des clients. Je pense que la partie la plus difficile, c'est de gérer tout le merdier que les clients laissent derrière eux, notamment aux chiottes. Pourquoi? Hein? À une époque, je voulais être barmaid. Mais je voulais être serveuse, mais j'avais peur qu'ils me fassent porter des vêtements pervers et qu'ils me fassent danser ou des choses horribles. Et on est reparti. Eh ben, ça dépend dans quel boui-boui vous travaillez, vous savez. J'imagine que j'avais de la chance que le... Ouais, c'est ça. J'imagine que j'avais de la chance que le... Valhalla soit pas juste une discothèque pourrie gérée par un DJ avec une afro.
Mon patron voulait un endroit confortable, je pense. Votre patron, votre patronne a l'air d'être quelqu'un de très intéressante. Elle m'a sauvé, alors. Ah, elle est super intéressante. Elle est tellement cool et tellement calme, et puis elle a pas honte de montrer son excitation à propos des choses. Ouais, enfin, c'est vrai qu'elle a été tendue durant les derniers jours, mais même avec elle, on a l'impression que tout est sous contrôle. En plus, elle a son bras mécanique, et j'ai aucune idée d'où elle l'a obtenu, mais... Désolé, je me suis emporté. C'était bien de vous voir casser la briser la glace et devenir autre chose que cette espèce de sage, barmaid, donneur de conseils que vous faisiez d'habitude. Je fais ça, moi. Ce serait sympa de rencontrer votre patronne de temps en temps et de pouvoir la remercier. Et vous voulez que je l'appelle? Elle serait très contente de savoir que vous allez bien. Oh non, je vais pas l'embêter. Et de plus, il se fait tard et je voudrais pas abuser de votre générosité. Vous pouvez demander un dernier verre si vous voulez. Enfin, je sais pas sûr que vous soyez capable de gérer l'alcool, mais... Je pense que je peux gérer encore un verre. Un brandini, s'il vous plaît. Tout de suite. Elle veut un martini, un brandy martini. Elle est donnée un martini, brandy. Un brandini, un foutré, un brandini. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un carmotrine. 1, 2, 3. Aged mixed. Et voilà. Oh là 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 là. Effectivement, ça a l'air d'être une boisson pompeuse de fils de pute. Allons-y. Voilà. Ouais, ça a l'air d'être bon, ça. Santé. Ça va? Ouais, je me sens juste un peu... C'est vous qui... Enfin, le fait que vous toussiez et que vous racliez la gorge? Ça m'aide à me concentrer. Ouais, ça va mieux, là. Et Jill, vous travaillez avec d'autres femmes? Je travaille pour une femme, mais mon seul collègue, c'est un homme. Pourquoi? Ah, quelle salope chanceuse! Je veux dire, vous avez aucune chance de la chance que vous avez. Quand j'ai commencé mon stage, toutes les stagiaires étaient des filles. Vous avez déjà essayé d'entrer en compétition avec des femmes pour un bon emplacement? Elles sont sans merci! Et vous avez essayé de devenir amie avec ces filles? Amis? Ces connasses ne sont pas là pour devenir amies. Elles veulent votre sang. Je veux dire, pardon, mais... l'autre jour, on m'a donné une tâche. Et puis... Et tout ce que j'ai eu pour mes efforts, c'est d'avoir été enfermé dans un placard pendant... Enfin, c'est d'avoir été enfermé dans les chiottes pendant toute l'après-midi. Et puis, l'autre fois, le superviseur m'a récompensé et m'a félicité. Ha! Je cherche encore ma valise. Ah, parfois j'ai juste envie de prendre toutes ces putes et de les jeter dans les égouts ou quelque chose. Que les hommes lézards mangent leur foie ou quelque chose. Enfin, j'en ai marre d'avoir à les gérer. J'en ai marre d'avoir à gérer toutes ces connasses. Tellement fatigué. Ah non, vous endormez pas ici. Non, voulez-vous que je vous appelle un taxi? Ah, vous feriez ça pour moi? Ouais, c'est Jill. Vous pouvez envoyer un taxi? Non, je parle pas indien. Non. Un taxi. Oui. Jill, oui, voilà, c'est bien. Oui, tu peux arrêter de faire semblant maintenant, ok. La cliente? Ah, une seconde. Hey Kim, j'ai besoin de votre nom complet. Kimberly Lavalette. Ah, ça c'est un joli nom. Ok, Kimberly Lavalette. Non, pas la mallette, la valette avec un V. Un V. Oui. Oui, c'est ça, ouais. Un V comme Vishnu. Tu comprends ça, Vishnu? Non, j'ai aucune idée comment ça s'écrit. Non, elle dort, casse pas les couilles. Mais viens la chercher. Ah, et c'est ça, plus des bisous. Ils seront là dans... Dans un instant. Bon, il lui est arrivé plein de trucs aujourd'hui, j'imagine. Hey Jill, j'ai fini la salle de bain. Je me casse. Guide mademoiselle Lavalette à son taxi et tu pourras y aller. Oh, elle s'est réveillée. Et elle s'est endormie. Très bien, tout pour les clients. Excusez-moi mademoiselle, laissez-moi vous guider jusqu'à votre taxi. Un pickpocket m'arracher mes vêtements, me prendre sauvagement dans une ruelle. Et voilà. C'est bon, on a fini pour la nuit? Ça a l'air. Oui, Jill. Et la fille qui était là, plutôt?
Jill a nettoyé la salle de bain et il s'est barré parce qu'il puait, sincèrement. Kim s'est réveillée, elle a eu quelques verres et elle s'est tirée. Ah, alors elle s'appelle Kim, la gamine. Elle avait l'air comment? Comment elle allait? Eh ben, elle a flippé quand elle s'est réveillée, mais elle a réussi à se calmer. Vous vous inquiétez à propos d'elle, patronne? Et toi, tu t'inquiéterais pas? Je sais pas. Enfin, et patronne, vous pensez que vous appelez patronne, c'est trop impersonnel? Hein? Non, pas vraiment, non. Non, c'est pas... Non, tu m'appelles pas comme ça parce que je suis une étrangère, non, c'est juste l'habitude. Oh. Dans tous les cas, t'es libre de partir dès que t'as fini de laver les verres. Laisse-moi te transférer le paiement d'aujourd'hui. Peut-être que je vais donner à Jill un petit bonus pour avoir géré la salle de bain. Wow! End of first day! Et on me dit que le jeu, c'est une vingtaine de jours. Est-ce que vous voulez vraiment, sur YouTube, une vingtaine d'épisodes à 1h30? Alors, votre réponse, c'est oui, mais je vous enjoins à penser à la situation économique du Lennon. Comparez le nombre de vues de ces épisodes au nombre de vues d'un totally accurate Battle Simulator qui nécessite littéralement que je me touche la bite pendant 20-25 minutes. Je vous déteste. Bref. Oui, mais c'est pas toi qui décide. Bonne réponse. Alors, gain total, 2 800 $. Total des verres, 2 160, pas mal. Erreur, 0. Commission, 30%. Paiement, 648. Pourboire, 650. Service, sans erreur, 500 balles. Un petit extra pour avoir aidé à calmer la fille, 500 balles. Total d'aujourd'hui, 2 298. Eh ben, putain. Ça paye. Votre abonnement à Shining Beeping sera automatiquement renouvelé le 17. Alors, pour ceux qui comprennent pas la référence Shining Finger, je vous invite à regarder Mobile Suit Gundam G. Et en japonais sous-titré, s'il vous plaît. Mobile Suit Gundam G, c'est... c'est fantastique. Vous allez adorer. Vous aimez Jojo's Bizarre Adventure? Regardez Mobile Suit Gundam G. Et vous allez halluciner, ça veut rien dire. Ok, très bien. Jill est perdue dans ses pensées à propos d'une plante holographique. L'acheter l'empêchera qu'elle soit trop distraite. Et on peut aller à Danger/U. Attends, on peut aller sur 4chan. Et vous pouvez visiter JC Eltons. Est-ce que c'est JC Dentons? Et le chat lui parle? Le chat lui parle très bien. Miaou, tu n'allais pas avoir du curry hier? Un fantôme a pris mon pognon. Le fantôme s'appelant un gros chat qui s'est fait enlever son vagin. Alors ta gueule. Ouais, c'est ça. Très bien, shop. Il y a ça qui se rajoute, allons-y. Elle veut une holo plante. Putain, mais il y a plein de trucs, attends, fais voir. Cute clay house. Des petites maisons en argile. Très bien. Un mannequin écho. Ça apporte de la chance, mais sa patte est cassée, donc je lui ferai pas confiance. Un poster de Kira Miki. Très bien. Un poster d'un jeu mignon. Ok. Des cartouches. C'est des jeux que aucun collectionneur voudrait, mais c'est cool à exposer. Un Daruma. Très bien, c'est un souvenir. Une figurine de Alex. Ah, et sa barbe grandit en temps réel, cool. Un poster de film. De la nuit des body snatchers. LOL. Ça, c'est une grosse référence, chers amis. C'est une grosse référence à un jeu de Hideo Kojima qui s'appelait Snatchers, je crois. Qui se passait aussi dans un monde cyberpunk à l'infini. Donc ça, c'est le turfu, hein, j'avoue. Mais il faut pas être un zoomer pour connaître la référence. Il faut être un boomer, les enfants. Donc c'est pas de votre faute. Du coup, Mega Christmas Trees. Très bien. Replica Toy Turing. Pas aussi... Ah, d'accord. Pas aussi sentient qu'un véritable robot, mais très mignon. PCX Noctix, du vieux gaming, donc c'est une vieille, c'est un vieux PC. Un cyclone de Joker, ok. Une holoplante, en mémoire d'une vraie plante en pot. Une lanterne en papier. Une bière en discount. Mythe de staff. Une bannière. Un shoulder massageur. Un shoulder massageur. Donc un vibrateur pour massage pour épaule, bien sûr, hein, pour les jours où t'as beaucoup trop de tension. Hein. Et le thé de Mulan. Ok. Fantastique.
Bob, Bob, il faut absolument que t'achètes le thé de Mulan. Ouais, mais est-ce que je peux l'acheter avec la... Ok, pas de soucis, pour la suite. Ok, très bien. Est-ce que je peux l'acheter avec une holoplante? Oui, j'ai les thunes. On va prendre le holoplante. Très bien. Et le thé de Mulan. Très bien, c'est pour la suite apparemment. Ok, pas de soucis. Et on va garder son pognon. Après tout, on a besoin de renouveler l'abonnement. On a besoin de le loyer. Très bien. Jill a acheté ce qu'elle voulait et elle est contente avec elle-même. Elle travaillera mieux au boulot. Ok. Slash U, d'accord. Ok, ouais. Dangerous Opinion, lol. Alors ça, brave Jean, ça fait plaisir. Ce jeu a toutes les bonnes références, hein. Ça traîne pas sur... Reddit. Fucking normie. Ça traîne sur les vrais sites. Concert de Mickey. I don't want to confess a feeling to her best friend. I still don't know how. She, blah, clueless girls. Going to marry Mickey. Stop being such an attention whore. Oh, il y a même du red text, enfin du green text. Oh, I'm feeling right, I'm home. Ça parle de Alice Rabbit, une attaque terroriste, une constante rumeur. Ce sera drôle de voir les chevaliers blancs ne peuvent rien faire à part picoler. Lurk mort, bien sûr. Toujours lurker, les enfants. Impeccable. Boyfriend, why would you lie on the internet? Fucking normies! Ah mais ce jeu a gagné des points là auprès de moi, j'avoue. Au moins un deuxième ou un troisième épisode, hein. C'est fun. Distrait is closed, ouais, forcément. Que disent les news? Je traduis pas toutes les news, hein. Vous mettez la pause, vous lisez, au pire vous passez ça, c'est pas grave. Ah. Ce matin, une tentative de suicide a été empêchée par une femme locale non identifiée. C'est arrivé au centre commercial Artemis, où les gens ont vu qu'il y avait quelqu'un au toit du building. Les pompiers sont arrivés dès que ça a été vu, mais la personne a sauté sans prévenir. Une femme l'a attrapé en plein vol et a fui la scène avant que quiconque puisse l'identifier. Oh. Ah donc, Kimberly Lavalette, elle a tenté de se suicider en fait. Chaud. C'est pour ça qu'elle était là, je suis morte, je suis au Valhalla. D'accord, tout s'explique. D'accord, donc elle a bien tenté de se suicider, ok. 70% de nos lecteurs considèrent que le ramen à la crevette est dégueulasse. Et Lana Smithy, ouais, c'est ça en fait, il y a plusieurs gens qui écrivent sous ce nom, c'est cool. C'est cool. Très bien, donc c'est de la merde cet article. Mais c'est marrant parce que cet article c'est de la merde, mais ça ressemble énormément à ce qui pourrait être écrit sur Kotaku, si tu veux. Quelque part, c'est du vrai journalisme. Bien sûr, évidemment. Alors, Alice Rabbit pourrait être un chien. Fantastique. Donc là, c'est de la grosse spéculation. Ah. Alors ça, c'est du binaire. Si quelqu'un peut le traduire, ça me ferait très plaisir. Voilà. Mais je... Aucune idée. Moi, je ne sais pas lire le binaire. En plus, c'est un message court, hein, parce que pour une lettre en binaire, c'est 8 caractères. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc ça, c'est deux... En plus, c'est... Non, c'est pas deux fois la même lettre. J'imagine que la couleur qui change, ça veut dire qu'il y a un espace, en fait. Comment tu traduis du binaire? Bah, je me souviens plus, mais c'est... Ça se fait. Ton PC le fait, donc c'est possible. Mais bon, voilà, quoi, c'est pour ça. Je suis non-binaire. D'accord, mes excuses. Et les traducteurs sur Internet. Ouais, c'est vrai. Le message m'intéresse. S'il y a des gens dans les commentaires qui veulent poster ce que dit le message, en tenant compte le fait que le rose veut dire sans doute un mot, donc chaque lettre d'un seul mot, un mot qui est composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lettres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lettres, et 2 lettres. Ok. Donc voilà.
ça fait du sens. Alan Smithy, c'est le nom des producteurs de films qui ne veulent pas être affiliés à leur film, en vrai. Ah lol, je savais pas. Ok, très bien, bon. Juste des numéros en violet, ok, Best Bud, et... est-ce qu'on voit ce que... Ah, la plante en pot, elle est apparue. Les vraies plantes en pot. Je pense qu'on va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui, braves gens. On a quand même bien avancé, une journée... Grosse journée, j'ai envie d'avouer, hein. C'est pour ça, on s'est fait plaisir. Dans tout cas, on a appris pas mal de choses, hein. Ça parle mal. Le message, c'est The Retribution is coming. Ou The Retribution is co. D'accord, bah c'est cool, ça fait plaisir. Donc tout ira bien. C'est assez chiant après la trad. Ou peut-être, hein, c'est peut-être une info de chat, on n'en sait rien. C'est vrai que le t-shirt slot, des questions se posent. Écoute. On est en 2077, mais t'as vu qu'elle est dans la liberté sexuelle la plus totale. Moi, je dis, elle a un poster de sa patronne dans sa piole. À mon avis, elle se demande si son bras mécanique a des fonctions supplémentaires, si tu vois ce que je veux dire, et ça me dérange pas. Donc, je vous fais des gros, gros, gros bisous. N'hésitez pas, en tout cas, pour le petit pouce vert de l'amour pour un épisode de 1h42. Le prochain sera 1h ou moins, hein. Calmons-nous. Mais là, c'est parti, le premier, je vous sauce. Merci infiniment, et à la prochaine pour un autre épisode de... Excusez-moi. Valhalla!